Bonjour, Mélissa, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens de recevoir la box de mois de décembre. Oui, on est en février. On est le 16 février, au moment que je tourne la vidéo. Vous l'aurez début de semaine prochaine. On est mercredi. Vous l'aurez lundi. Je viens de recevoir à l'instant la box de décembre. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Je vais essayer de vous la monter. Gros max demain. Ou vendredi, comme ça je vous la mets lundi. Enfin, ça dépend si je fais rien du week-end, je pourrais peut-être la monter aussi du week-end. Vous l'avez, je l'ai même pas encore ouvert aujourd'hui. Je viens de la revoir, j'étais en train de nettoyer ma salle de bain à fond. Oh, merde. D'habitude, il y a un petit. Ah, ben ouais, je suis bête moi aujourd'hui. J'étais en train de défoncer et je vois qu'il y a. Comme les colis Amazon, si j'arrive. Super. Il est mal foutu, ce carton. Voilà, là, je sais l'avoir. Là, j'ai su l'avoir, du coup, voilà. Et ça se fait comme ça, comme un Amazon. Et du coup, il se présente comme ceci. Ah. On a du papier cette fois-ci. C'est tellement rare. Bon, j'essaie de pas appuyer parce que j'étais en train de regarder une vidéo. Si je fais ça vous. Cache pas un point. Je t'ai dit de rester comme ça. Bon sang. Mais il y a un truc qui gêne. Voilà. On va tirer mon livre que j'étais occupée de lire. Du coup, on a du papier. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait un truc dedans. Bah non. Je sais pas. Alors, ça se présente comme ceci. On voit rien du tout. Essayez de retirer le toc. Du coup, je regarde pas. On a, comme d'habitude, je vais mettre de côté, voilà. On a du bon thé. C'est quoi? Noix 7. Thé noir arôme Chine. Ouais, je ne sais pas. Ça sent rien. Je crois qu'on a déjà eu. Je pioche. On a. Oh, c'est bien ça. Village. Carte chocolat noir 52%, c'est suisse, pur en chocolat, pur au cacao, nos palmes d'olive, un petit bar de chocolat pour la lecture, c'est bien. Moi je suis moins fan du chocolat noir, mais pourquoi pas. Je peux regarder, j'ai chatouillé mon oeil. Ah, c'est le même, et celui-là c'est. Alors celui-là c'était du chocolat noir 72%. Et celui-là c'est chocolat au lait suisse et ah, l'ancienne. Voilà, du coup on a les deux. Noir 72% et du au lait. Pourquoi pas? Ouais, c'est bien. C'était la box de Noël, mais voilà. Du coup on arrive au livre. Normalement on a les marque-pages. Je vous prends les marque-pages. Ouais, allez, tant pis, j'ai vu le livre, mais c'est pas grave. Ça, du coup on a le petit marque-page et ça ils m'ont entendu, ils ont fait des plus petits maintenant. Il est Lyon, je sais pas ce qui était marqué, on voit pas trop, qu'on entend user, qu'ils ont imprimé nos rêves, Sandra du lit. Mais il est trop beau, j'aime beaucoup ce marque-page. Voilà, j'aimerais bien le plastifier. Après on a un grand du thé, du truc du thé. Tous les gants lecteurs sont une date dans leur existence. Monte à partager la tasse. Il est beau aussi, j'aime beaucoup ce marque-page. Double face et celui-ci. Ah ouais, celui-là, c'est celui pour écrire. Voilà, on a un peu bête, mais tant pis. Une jolie carte de Noël. C'est vrai qu'elles sont très belles. Une autre petite carte. Non, la petite gazette, vous voyez, c'est décembre. Hein. Je vous mets bien, c'est décembre. Voilà, on a les moments des livres de décembre. Voilà, ces trois-là, ces deux-là, je les ai. Celui-là, je l'ai lu, pas encore. Celui-là, je l'ai pas. Voilà, ça, c'est les deux petites cartes. Ça, c'était quoi? Ah, ça, on n'a pas eu. Ah oui, il y a un item qu'on n'a pas eu. Et c'est découvrir certains.
tu faisais quoi? Pour fêter, préparer, faire, mais aussi, surtout, je vais vous montrer. En fait, on avait le choix, un de ces quatre-là, mais je sais pas c'est quoi. Ah, j'appuie sur le. Les surprises du mois. Des cadeaux de Noël, encore des cadeaux. Découvrir un certain mistour de fêtes préparatifs, mais aussi surtout un cadeau. C'est ce mois du petit colis décidé de gâter avec, mais je sais pas c'est quoi. On dirait des gommes, je suppose. Voilà, je sais pas. Du coup, vous avez la première page, normalement ce qu'on reçoit, à part les livres. Là, on a le prochain coup de cœur d'une de la box. Les sélections de livres. Là, on a les paroles d'une autrice. Là, on a encore des exceptions, une bulle d'agenda littéraire. Et là, je sais pas, à voix de lecture. Et là, on a une. Ah, ça, c'est bien. Je vous montre de plus près. Astro de littéraire. Du coup, moi, je suis. Balance, il est où Balance? Balance, c'était. Vous passez un mois gourmand en plein de projets. Attention aux mauvaises intentions dans votre entourage. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je vous lise le vôtre, vous mettez en commentaire et je vous le dirai. Voilà, votre signe astro littéraire. Mais c'était du mois de décembre. Hein. Ce livre, je l'ai et je ne l'ai pas encore lu. Celui-là aussi, je l'ai, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Voilà pour la petite gazette. Du coup, on trouve vos livres et je prends le premier. C'est celui-là. Adopté Love. Je les ai, mais je crois que c'est pas cette couverture que j'ai. Il n'est pas mu. Ah ouais, c'est celui qui est illustré. Ah ouais, c'est encore mieux. Il faudra que je trouve. Ouais, il est illustré celui-ci. Moi, j'ai pas celui qui est illustré. Ils sont beaux. Par contre, il a pris une tâche. Voilà. Je pensais que c'était un dessin, mais non. C'est une tâche. Je voulais choper le dessin qui est là, mais il veut pas venir à moi. C'est presque la même, maintenant. J'espère que c'est le tome 1. Ouais, c'est le tome 1. Il y en a 3. Et c'est de Gala Alexa de chez Hugo Poche. Chez Hugo Poche, dans la collection Nous Romans. Voilà. Il me tombe bien. Je les ai en autre truc, mais celui-ci, il est illustré. Du coup, c'est encore mieux. La belle dernière, la dernière page. Voilà. Vous avez les deux autres qui sont juste ici. Il faudra que je me les procure. Voilà. Et le dernier, je crois que c'est un livre de Noël. Voilà, la box est vide. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il faut sauver Albert Lomar Privy pour Noël. J'ai lu de Lisa Weaver. J'ai lu. La couverture, je ne m'aurais pas retourné sur cette couverture, mais j'aime beaucoup les crabes. Les personnages, ils n'auraient pas été là. La couverture était plus belle si on retire les personnages. Couverture est vraiment plus belle. Voilà. Il faut sauver Albert le homard prévu pour Noël. Prévu pour Noël. Ça me dit quelque chose. Brigitte et Berlan, enfin je sais pas le nom. File un parfait amour à Paris. Loin de Loris, la vie originelle du jeune homme et de sa famille. Mais la approche de Noël. Il doit retrouver dans un bar-restaurant de ses parents. Car pour Noël, les gulettes se font en quatre. Et attendront qu'une chose, de venir leur filer leur fille chérie par amour. Béatrice accepte d'accompagner son petit ami à Bertage. Bertage, Bretagne, je suppose. Autant dire que le retrouvaille est
La présence annonce haute en couleur, sans compter que le feu sans surprise, ce n'est autre que énormément homard. Béragie horrifie découvre la bête que quelqu'un a signifié par plan. Oh, je ne sais plus parler, c'est fou aujourd'hui. Planté dans le Baraka en bonne venge, qui se respecte et décide sera tout autrement à Bère. Cruauté et sauvé à lui liberté. Il va sauver le homard en fait dans un restaurant de son petit copain. Voilà, je. Voilà. Ça me donne envie, voilà. Mais encore une fois, j'ai lu, c'est écrit au petit. Voilà. Et celui-là, je voulais même pas parler de la quatrième couverture. Parce que pour moi, beaucoup de monde l'ont déjà lu. Du coup, voilà, c'est pas. Du coup, c'est. Bon, les noms. Horrifique encore, en erreur. Depuis son plus jeune âge, le foyer de famille accueille Bobby, errant par la ville et justice. Il rattrape Lourdes de ses 17 ans. La sensation d'un an de conditionnement, durant lequel il devra se sentir à carreau, à se tenir à carreau. Il se peut finir par. Il ne peut pas finir en prison, il ne reste qu'une chance de remettre dans le droit chemin et c'est ce que ultra utile famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la jeune annonce, ancienne, je sais jamais ce nom, de famille risque de compliquer les choses. Découvrir ce roman parfait. Français, le plus lu de ce jour. Voilà. Celui-ci, il coûte 8,50 et celui-ci, 7,50. Voilà. Et puis, avec tous les petits goodies, ça vaut quand même le coup, les petits goodies. Voilà, les deux petites cartes. Bon, moi, c'est un peu foutu quand même. Je sais pas envoyer les cartes. Voilà. Et vous avez le cachet du petit colis. Voilà. Le marque-page, il rentre dans les bouquins. Ça c'est beaucoup mieux. Voilà, le petit thé et le chocolat, le truc de lecteur. Voilà, j'en ai perdu un. Voilà, le petit c'est bien. Voilà, du coup je vais rentrer tout ça dans mes on va dire dans mes blicrabac là, les écrire, voilà. Voilà pour ce. Je suis un peu désolée pour la lecture aujourd'hui, mais j'ai attrapé un coup de pompe. J'aurais dû faire ça plus tard. Voilà, mais voilà, c'est pas grave. Vous l'aurez quand même vu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de liker. Et je vous laisse. Je vous fais des gros bisous.